Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plein de tipettes, c'est beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour faire le défi du pêcheur, les gars. Le défi de rêve du pêcheur. Je trouve ça intéressant de le faire. Tout simplement parce que ça peut donner, c'est du drôle dans tous les cas, donc y'a pas besoin de deck. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir, et merci à tous ceux qui le feront. Donc le but c'est de prendre un maximum de trucs loin du pêcheur, du milieu. On prend ça. Et je pense que la princesse ça peut être pas mal. Voilà, nickel. Là on a pris, je pense, les meilleures cartes, parce qu'il y a un pêcheur qui attire absolument tout, donc tout ce qui est aérien c'est bien, il peut pas le pécho. Ouais, c'est si j'ai une prince au pont. La tire. Est-ce que si je snowball c'est bon? D'accord, se tire à travers, pas de soucis. Ok. Ah oui, d'accord. Le mec est quand même un peu bien au niveau match-up quand même. Rose. Oui, tu sais dans elle, c'est comme toi. Nice. Waouh, wow, mais spammer. Oh, what the fuck. Au moins il n'a pas pour sa fourrure, c'est déjà ça. Ok, là on est plutôt bien je trouve en vrai. Parce que moi si je parle pas beaucoup, c'est juste que j'essaie de pas perdre parce que vas-y, déjà que j'ai pas un... J'ai rien pour son escape, enfin j'ai ma snowball, il faut que je la garde. Ok, ça c'est pas très intelligent de sa part. Oh, ça va être chiant. Il pourrait laisser gagner quand même. Hein. On va mettre la bonne snowball là. Bon, ça c'est plutôt pas mal. La princesse qui focus l'arty. Ok, alors on peut mettre le fameux combo. Allez, là on peut mettre la bonne snowball ici. Hop. Nickel, on va aller prendre la tour. Dignus qui donne le smile. Allez là les gars, je vous annonce aussi qu'à partir de cette vidéo là d'aujourd'hui, il y aura plus que 2 vidéos par semaine. Puisque je reprends les cours, donc voilà. Donc il y aura que 2 vidéos par semaine. Prendre la charretas, va prendre la fourreuse et le baby. Et pour mettre des fourreuses cimetières, je vais vous dire, je vous en ai une nouvelle moi. Hop. Non mais d'accord, mais d'accord, mais. Super. Un édit qui coûte.
Nickel. La bonne défense, il va devoir défendre le baby. Ah super, quand ça pour couper les 6 infos, il est de foule. Génial. Super. Bon, on va refaire la même, écoutez. J'ai mis un prince pour défendre. Hein. Le prince, c'est ses flèches, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on met le chevalier. Ok, on va mettre le chuchu, on va mettre la boue de chasse. J'ai mis la pire bûche et le pire chevalier de Eul. C'est terrible, hein. On va mettre la fourrure, je pense, sa pression quand même. Oh, le con. Il n'y a plus d'armes squelettes. Oh bon. Je pense qu'on ne va pas défendre. Eh ben là, on va tranquillement. On va sortir cimetière, je pense. Ok. Mettre une petite foudre, on peut se permettre, je pense. Ouais, histoire de quand même prendre la tour. Bon, il nous reste 96 HP, sinon c'est pas drôle. Bon, on a deux bûches, donc ça va. On a mis un beau fréchot de bûches. J'ai oublié qu'il avait une armée squelette, c'est la sauce, là. Ça me fume comme il y aurait toute cette daronne, genre. Bon, c'est bon, on prend la tour, au moins. On a peut-être pu pour la salle, mais on a l'armée, on a la fourreuse, là, maintenant. Pour la mettre squelette. Alors lui il est un peu con quand même. Mets la drill vite. Non la drill. Oh, c'est terrible ça. S'il a un gros sort c'est terrible. Là, il y a une roquette vous allez voir. Oh ça finit pas. Ok GG. Nice. Nickel, parfait. Ok. Petite sorcière. Petite princesse. En vrai, j'ai une prendre le bourreau, mais on prend le pêcheur. Bah, en vrai... la princesse va être assez chiante à gérer. Oh, j'ai un GR pêcheur. En ce moment, c'est quoi, j'ai tombé le GR là, comme ça, moi, il s'est pécho et c'est réglé. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on va mettre les gardes. Ouais, vous allez me dire, j'ai mis zéro coup, genre. Quoi? Là on a un souci là. Bah ouais. Yes. Le fantôme qui a pas se faire pécho, donc ça c'est cool. Le fantôme en vrai c'est une très bonne carte pour ce mode de jeu. Je pense que c'est même la meilleure carte du mode de jeu parce qu'il s'est pas pécho. Oh nice la princesse. Ok nickel. En vrai, je suis plutôt bien là. Il n'y a plus de food. Je crois pas qu'il est recyclé en tout cas. Est-ce qu'il repose au golem? Oh c'est gars, j'ai repécho. Sorcière avec une bûche. C'est un peu fort comme les épiscopes pour défendre. On a une princesse ici, tranquille. On a le fantôme. Hein. On a le fantôme pour défendre.
Le fantôme qui défend plutôt bien. Attends un petit peu, voilà, nickel. Avoir la fameuse va du bûche. Par contre, je vais jamais mettre de dégâts là, qu'on soit bien d'accord. Mettre des gardes en plus pour être sûr de prendre zéro coup. Il vient de foutre ça vraiment là. Ok, nickel. Là on peut aller mettre une princesse là. Avec une très bonne bûche. Ah nickel, le bon free shot bûche qu'on aime bien. Juste les appuis sont vraiment trop chiants par contre. Allez, un coup GR s'il te plaît. Bah frère, le GR qui met pas de coup. Le GR, wesh, il a pas mis un coup de la game, frère, il servait à rien. Ses appuis, ils défendaient trop bien, genre, vraiment. Bon, les gars, on passe sur cette dernière game de la vidéo. Le jeu, s'il vous plaît. Merci. Bon, là, un sorcier sans hésiter. Les feux de chasse sans hésiter, encore une fois. Le bébé dragon, forcément. Et je pense que ça va peut-être prendre l'esprit. Je pense que c'est quand même mieux de prendre l'esprit pour un lag of cycle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur. Frère, on a 9. Mais wesh, on a 4000 conditions dans le deck. C'est 4000 conditions, frérot, là. Le mortier va être super utile. Wesh, oh. Ok, alors on a bien gratté, très bien gratté, c'est plutôt pas mal. Plutôt Gucci, tout ça. Alors ça qui est une fausse par contre. C'est super chiant, ok, mettre l'esprit électrique. Ok, pour éviter de prendre trop de dégâts. Le problème c'est qu'il attire sur toutes les troupes du pêcheur. Je veux dire qu'il a tiré le sorcier, donc ça c'est cool. Quoi? Ok. On peut mettre le fuir gob. Ouais bon, il me l'arrache quitte, tant mieux. Tant mieux qu'il a HK, hein. Bonne la sorcière derrière, on peut mettre le petit esprit. Oh putain. Non mais sérieux. C'est un oui monsieur. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les gars, c'est vrai cool, ciao.